Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une espèce de Peugeot 807, la face avant. Nous voilà dans le Saint des Saints des espaces. En commençant par le P18. Alors, les connaisseurs et les curieux et les observateurs vont me dire, mais on dirait des phares de 305. Eh bien, c'est peut-être parce que c'est des phares de 305. À la base, l'espace, ça devait être un Peugeot. Matra a proposé le concept à Peugeot, qui, en partie pour des raisons de difficultés financières, parce qu'il venait de racheter Chrysler et il s'en sortait pas, et aussi parce que, bah, juste, voilà, c'était pas quelque chose sur lequel ils pariaient. Donc, ils ont débouté l'histoire. Et Matra est allé taper à la porte de Renault. And the rest is history, comme diraient les Anglais. J'essaie de voir s'il y a des bouts de Peugeot qu'on peut voir là-dedans. Peut-être les Commodos. Dites-nous, les spécialistes. En tout cas, voilà. Les bases étaient jetées. Un véhicule très spacieux, très confortable. Aux antipodes de ce qu'on connaissait jusqu'alors. Et c'est fou quand on regarde à quel point on était quasiment sur une version définitive du véhicule. Véhicule qui est là. Les proportions sont les mêmes, on a juste des vitres, des montants de pare-brise plus fins sur la version définitive. Des poignées de porte différentes, parce que ça devait être des poignées de porte de Peugeot. Des poignées de porte différentes, parce que ça devait être des poignées de porte de Peugeot. Évidemment, l'intérieur, lui, a pas mal bougé. Mais regardez un peu la classe que c'était, quoi. Elles sont toutes fermées, okay. Ensuite, on passe aux phases 2 en quadra, 4 roues motrices sur un espace. Puis vient l'espace 2, celui qui nous intéresse le plus en ce moment. Oula, ça c'est le 500 millième espace en 1996, date à laquelle l'espace 3 est sorti. Donc ça doit être le dernier espace 2 peut-être. Suivi de l'espace 3, qui à mon goût est peut-être le plus beau, surtout là avec ses feux cristal. Il avait vraiment un design qui était magnifique, je trouve. Et la Vantime, qui est en train de devenir une voiture de collection avant l'heure, parce que personne n'en voulait au début, puis maintenant tout le monde trouve ça génial. Comme quoi, quand on a tort, il suffit d'attendre, on finit par avoir raison. Bah tiens, il est là, l'espace F1 de nos amis de chez Auto. Est sorti en 2012, je crois, si je dis pas de bêtises, au 1/18e. Ça vaut 200-250 balles maintenant. Mais sachant qu'il devrait en ressortir un très bientôt et plus grand. Et on va terminer cette visite éclair par les voitures de compétition de Matra. Là, on est sur des Formule 3. La Formule 3 pour apprendre, la Formule 2 pour s'aguerrir et la Formule 1 pour s'imposer. Jean-Luc Lagardère. Voiture de Graham Hill, conduite par Graham Hill. MS5 Formule 2 de 1966. Le père de Damon Hill. Voiture conduite par Jean-Pierre Beltoise. Vous imaginez quand même qu'à l'époque, bon, on ne s'emmerdait pas en fait, il n'y avait même pas de carénage, le moteur, il était là, directement visible. C'est fou. C'est vraiment des fusées à quatre roues, quoi. Formule 1 1968. Et là, on a aussi quelques voitures intéressantes.
notamment. Hop là. La voiture de Stewart, Formule 1, qui a gagné le championnat du monde en 69. Matra, premier constructeur français à avoir gagné le championnat de Formule 1 dans l'histoire. MS120 de 1970. Là, on passe chez Ligier. Alors, on vous conseille vivement de venir visiter ce musée Matra, qui est absolument magnifique et qui regroupe quand même des voitures. Là, on est sur les voitures plutôt du Mans. Toute mythique, la MC 680, 670. Là, moi, je connais plus Matra pour ça, on va dire, les épreuves d'endurance, avec la livrée gitane qui est fabuleuse. De très très belles autos. Et regardez la cachée derrière au fond. Une petite maquette de proto, honnêtement en noir comme ça, est-ce qu'on dirait pas une Batmobile? Moi je trouve que oui. On est sur les Matras des années 60-70. On n'en voit vraiment plus beaucoup, on est comme ça. C'est assez sympathique. Et la Matra Jet, qui vous rappellera évidemment l'Alpine. Je sais pas ce que ça cote actuellement, peut-être moins qu'une Alpine. En tout cas, c'est très sympa comme moto. Et on fait un petit tour dans la salle des moteurs. Oh, l'espace. Moi, je t'aime. Petit tour dans la salle des moteurs pour vous montrer notamment deux trucs qui m'ont choqué. Bon, déjà, ça, c'est sympa. Un moule de culasse en bois. Donc en gros, ils envoyaient la fonderie directement là-dedans, ils coulaient le métal à même le moule en bois. Là, on est sur un 4 cylindres 1300 cm3, donc pas turbo, hein, on est sur un atmosphérique. 180 chevaux, 16 soupapes. Vous imaginez? Un 1 litre 3, 4 cylindres de 180 chevaux sans turbo. Sachant que là, on est en 1970 et des brouettes, j'imagine. C'est juste complètement improbable. Et apparemment, ils ont essayé de le vendre pour de la série. Vous voyez, conçu pour être monté sur la Baguera, mais sera refusé par Simca. C'est juste hallucinant. Là, on a le U8. Donc, c'est pas un V8, c'est un U8. Parce qu'au lieu d'avoir un vilebrequin central qui marie les deux moteurs, non, il y a deux vilebrequins. Et tout est accouplé pour que ça marche ensemble. Mais réellement, c'est deux moteurs collés ensemble. C'est. Et ils ont fait un proto comme ça de Bagheera. D'ailleurs, il est ici, devant l'espace F1. 2588 cm3, 28 litres au 100. Deux moteurs qui sont reliés par une chaîne. Je sais pas si vous imaginez le truc. Là, au niveau de la conception, c'est improbable. Et il y a lui. Lui, c'est un 4 cylindres, 2 litres, 300 chevaux, 16 soupapes, toujours sans turbo. Je ne sais pas si vous imaginez. 300
300 chevaux en 2 litres. Avec la technologie de la culasse V12 des Matra du Mans. Ils l'ont testé sur la Murena. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. 2 litres, 300 chevaux atmosphériques. Et là, après, on a les V12 Matra mythiques. Prototype de V12 à plat pour concurrencer Ferrari, mais ils ne l'ont pas sorti. Cylindres biturbo. Alors attendez, lui il fait 1,5 litre, 1496 cm3, 2 turbo KKK, il fait 804 chevaux à 10 800 tours minute. Je sais pas si vous imaginez 10 800 tours minute, déjà prendre autant de tours avec un moteur turbo, c'est beau. On est en 1981, 800 chevaux. Je sais même pas quoi dire, c'est juste invraisemblable. Il y a aussi des voitures invitées comme cette magnifique Amilcar de 1927. Et là, on a ce gros morceau, la Hispano Suiza. Regardez-moi ce monstre. Avec un cockpit pour pilote et passager. Un deuxième cockpit comme dans la voiture de Donald. Uniquement pour les passagers cette fois. Alors j'imagine que ça se soulève pour pouvoir ouvrir la porte et monter derrière. Mais je paierai cher pour faire un tour là-dedans. Ce paquebot quoi. Magnifique. Voilà, je ne vais pas non plus tout vous montrer parce qu'il faut vous garder un peu de surprise. Il y a souvent des voitures qui tournent, des voitures invitées qui sont changées régulièrement. Espérons que le Covid nous permette rapidement de nouveau venir visiter les musées. En tout cas, je vous conseille fortement de venir visiter ce musée. Et puis, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, l'Espace F1 est là, le vrai, celui qui a roulé et qui roule très vite. Salut les amis, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.